Ce matin, la presse est convoquée par les membres du LKP. Dans les semaines à venir, les initiatives vont se multiplier. Une nouvelle manifestation est prévue le 9 février et un appel à la grève générale est lancé pour le 14 février prochain. Ils espèrent que la grève des salariés de Millénis sera un point de départ d'une large mobilisation. Selon eux, la situation n'a pas évolué depuis 2009 et les dirigeants du mouvement affichent clairement leurs ambitions. La lutte des travailleurs de Millénis et Promocash continue et qu'elles ont tout à fait raison de se battre, que les camarades ont tout à fait raison de se battre parce qu'ils sont face à des gros capitalistes béquets qui veulent baisser les salaires de manière pour tous les salariés. Oui, il serait vraiment indispensable qu'il y ait une mobilisation comme il y a 10 ans. Mais c'est ce que nous voulons construire et c'est ce que nous souhaitons. Mais à ce moment-là, il faudra qu'il y ait une réponse de l'ensemble des couches de la population qui sont concernées. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas dire que c'est le cas. Par ailleurs, le concert prévu ce soir sur le piquet de grève de Millénis a été interdit par le tribunal de grande instance sur demande de la direction du site. Mais le projet ne semble pas pour autant abandonné par les organisations syndicales.